tous, bienvenue à la Galerie Métique. Donc nous sommes ce soir ici tous réunis pour cette soirée, pour cette conférence dont le sujet peut-être interpelle, intrigue et surprend certains. En tout cas qui a définitivement surpris, interpellé plusieurs puisque vous êtes tous ici. Donc on est très content d'accueillir, de vous accueillir ici, d'accueillir Dr. Charlotte Haïdari qui est ici avec nous pour présenter cette conférence. Cette conférence qui va vous amener à replonger dans l'univers des aventures de Tintin et Milou. Cette conférence donc qui va vous amener à replonger dans l'univers de ce scénariste et dessinateur belge qui n'a pas tellement besoin de beaucoup de présentation car tout le monde le connaît, FG. Donc cette conférence par contre va vous amener vers cet univers qui finalement on va explorer d'une façon tout à fait différente aujourd'hui. Donc selon ce qui était mentionné dans l'invitation qu'on a envoyée, on ne va pas, bien sûr, on ne va pas parler de Milou et de Tintin, mais on va aller bien au-delà de ces aventures de Tintin et Milou. On va explorer cet univers sous un angle politique, sociologique et psychanalytique présenté par Dr. Charlotte Haïdari. Donc, cette conférence, je vais juste mentionner qu'elle est présentée ici à la galerie en collaboration avec Catalyt, une association iranienne, dont les représentants sont ici avec nous et à qui je vais passer la parole pour qu'ils puissent dire leur demande de bienvenue. Et par la suite, on va demander au Dr. Charlotte Haïdari de commencer son discours. Merci, Alia. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la première de Catalyt en français. Pour nous, c'est vraiment une première ce soir. Donc, je tiens aussi également à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comme l'a dit Olga, cette soirée a été organisée donc, en collaboration entre Café Lit et Métique. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que cette maison d'édition et librairie, galerie, nous accueille aimablement sous son toit. Donc, Métique soutient en fait et a toujours soutenu ce type d'initiative culturelle. Et nous tenons en fait à remercier chaleureusement ici l'ensemble de l'équipe Métique pour son appui et support. Alors, avant de commencer à présenter notre conférencier de ce soir, j'aimerais vous parler quelques minutes en fait de Café Lit. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un organisme à but non lucratif. C'est véritablement en fait un lieu de culture, de discussion, de débat, d'échange, de partage et le fruit d'une initiative de jeunes étudiants iraniens de Montréal, dont l'un des membres d'ailleurs fondateur est parmi nous. Il se cache. Donc voilà. Donc Café Lit en fait réunit hebdomadairement une quarantaine de personnes, majoritairement d'origine iranienne, depuis maintenant plus de 3 ans. Ainsi en fait chaque jeudi soir, une personne présente un sujet de son choix pendant environ 1 heure, pour ensuite laisser la place à une période de questions et à une discussion libre avec l'ensemble des participants. Alors étant donné la liberté en fait de choix accordés aux présentateurs, les sujets sont très variés et touchent une panoplie de disciplines, de l'histoire à la philosophie. Oh pardon, est-ce que je peux utiliser, sans le micro, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai une voix qui porte, hein, donc si vous voulez bien, je vais pas utiliser le micro. Alors je vais parler fort, donc je vous disais donc une panoplie de disciplines, de l'histoire à la philosophie, à la sociologie, en passant par la musique, la physique, les beaux-arts, à titre d'exemple. Si de grands poètes persans comme Hafez, Chamblou, Sohrab Safavi, Foulour Parlanzot ont été discutés, Sigmund Freud, Michel Foucault ou encore Anton Chekhov ont également occupé une place importante dans les discussions. Je ne citerai pas ici en fait la longue liste des sujets discutés, mais je vous invite à consulter en fait le site internet de Café Lit, donc www.cafelit.ca, où vous pouvez en fait trouver les sujets discutés et ceux à venir. Alors, nous comptons désormais, et ça c'est une information très importante à noter, nous comptons en fait désormais offrir des activités de Café Lit, non plus uniquement dans la langue d'Omar Khayyam ou de Shakespeare, mais également dans la langue de Baudelaire, Molière ou de Gilles Vigneault. Pour ce faire, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions, de vos idées, voire de votre propre participation au sein de Café Lit. Notre objectif en fait est d'organiser une activité mensuelle, en français, dans le même ordre d'idées que Café Lit en persan et en anglais. Le succès en fait de ces rencontres et l'augmentation du nombre de participants ont fait de Café Lit non plus un lieu, mais une culture en soi.
à tel point qu'après Montréal, Café Lit a vu le jour à Paris. Sous la direction de Mehdi, un autre jeune Iranien qui compte également parmi les membres fondateurs de Café Lit Montréal. Bien évidemment, les présentations au sein de Café Lit ne ressemblent jamais les unes aux autres. Et certains présentateurs se distinguent par la qualité de leur présentation, leur talent d'orateur et l'originalité de l'angle d'analyse. Je pense que l'ensemble des participants réguliers de Café Lit s'accordent pour dire que notre conférencier de ce soir, Dr Shahdad Hilali, se classe parmi les présentateurs à succès de Café Lit. Et ce, pour plusieurs raisons. L'originalité de son approche, la précision de ses commentaires, la clarté de ses propos, et la liste est longue. Ce soir, Dr Hilali nous invite à redécouvrir les aventures de Tintin sur une relecture psychanalytique, sociologique et politique. Personnage de la bande dessinée par excellence, Tintin n'a pris aucune ride et demeure toujours l'héros national de nos amis les Belges. Avant de lui laisser la parole, j'ai observé chez notre conférencier plusieurs traits communs avec son sujet d'étude. Alors, plus particulièrement avec le personnage de Tintin. Bien que l'un est dentiste et l'autre journaliste, ils partagent une curiosité intellectuelle sans bornes. Ils se rapprochent aussi par leurs intérêts pour autrui et pour le monde dans lequel ils vivent. Et une vie de globe-trotteur. Et oui, si Tintin a parcouru presque le monde entier, Dr Hilali a pour sa part vécu sur 3 continents différents. Né en Iran, il a également vécu sur la terre natale d'Hergé pour ensuite s'installer dans le Nouveau Monde, depuis 1984, je pense. Mais ce soir, notre conférencier nous invite à un autre type de voyage. Je lui donne la parole sans tarder. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être venu en si grand nombre. Merci, Daniel. Ce soir, on va parler d'un héros qui a marqué mon enfance. Moi, quand j'étais petit, je me souviens que j'attendais avec une avidité impatiente la sortie d'un nouvel album de Tintin. Et c'était un cadeau que j'appréciais énormément quand je le recevais. Je le conservais comme un trésor et il m'apportait un plaisir énorme. Et c'est ainsi que j'ai découvert les joies de la lecture aussi. Aujourd'hui, relire les 24 albums qui retracent la vie d'Hergé, son créateur, et Tintin, c'est renouer bien sûr avec la nostalgie que suscite la redécouverte des bonheurs de l'enfance, mais c'est aussi comprendre ce qui le rend indémodable aujourd'hui, c'est-à-dire la profondeur de regard qu'Hergé est parvenu à donner à un personnage un peu lunaire, un peu à peine esquissé, un boy scout un peu fade, mais en le faisant évoluer dans un monde tiré d'une observation minutieuse du réel. Ce qui fait la beauté d'ailleurs du Tintin. Tintin, il est revenu de l'Union soviétique avant André Gide. Il a découvert l'imposture des révolutionnaires d'Amérique latine avant Régis Debray. À Chicago, il fait tomber Al Capone. Il a démantelé les gangs de faux-monnayeurs en Écosse. Neutralisé les réseaux de trafiquants d'opium en Méditerranée. Il a marché sur la Lune quand Neil Armstrong était encore en petite culotte, courte. Il a arpenté le Sahara à deux chameaux avec les Touaregs, escaladé l'Himalaya, visité les tombes secrètes de l'ancienne Égypte, exploré l'océan Arctique, découvert une cité Inca au Pérou, rencontré les tribus les plus oubliées en Afrique et en Amérique. Il est arrêté par le GPU, qui était comme l'ancêtre de la KGB, condamné à mort par l'armée impériale japonaise, passé par les armes en Amérique latine, enterré 6 pieds sous terre en Égypte, laissé pour mort dans le désert d'Arabie, abandonné en mer dans l'océan Pacifique. Il a fustigé le communisme, l'impérialisme japonais, les marchands d'armes, la haute finance internationale, le trafic des esclaves. Il a été l'ami d'un Maharaja, l'hôte de Dalai Lama, l'aide de camp de la dictature en Amérique latine. Il a sauvé une monarchie balkanique, évidemment fictive, passé le rideau de fer pour sauver un ami des griffes d'une dictature communiste. Il était plus flegmatique que James Bond, plus courageux qu'Indiana Jones, et plus attentif que Lévi-Strauss, l'ethnologue français, aux mœurs des primitifs. Tintin aujourd'hui